Voilà, chers compatriotes, en ce net moment, on peut parler d'une victoire diplomatique. Depuis que le président de la République s'est rendu en Belgique, ensuite en Russie ou au Kremlin pendant quelques heures, pour sanctionner ceux qui déstabilisent la RDC. Ça, c'est Alexander De Croo. Le gouvernement était prêt à travailler ensemble avec l'Union européenne pour établir une liste des sanctions individuelles. La RDC est tellement dramatique depuis très longtemps et les victimes, comme vous l'avez indiqué tous, la situation dans l'est de la RDC est tellement innocente, a déclaré le Premier ministre belge. Et d'ajouter, j'ai indiqué que la Belgique était prête à étudier.